Bonjour à tous. Donc on se retrouve encore pour le salon de Shexy et cette fois en compagnie de DFG, donc un nouveau venu chez Eclipsia, c'était pour streamer saisonnier. Bonjour DFG. Salut. DFG a un peu peur. Oui. Parce qu'en fait il m'a autorisé à lui couper les cheveux. Et moi j'ai dit pas de soucis. Donc voilà, j'ai acheté plein d'instruments pour lui couper les cheveux et puis on verra après ce qu'on fera. On a une heure. Hein. Une heure de coiffage DFG. Donc je sais que tout le monde s'est mis en rose sur le chat, donc je suis énormément contente parce que comme d'habitude tout le monde se met en rose sans que je lui demande, hein. Je n'ai pas besoin de donner d'ordre. Et je sais qu'à un moment je vais passer devant la caméra aussi, on me dira ta trace, mais il n'y a pas de souci. Bon alors on commence, je vais te poser des questions en même temps, comme ça tu pourras répondre aux questions des viewers. Alors, attends, j'avais préparé les questions parce que je n'avais pas le retour du chat pour pas que vous lui spoiliez ce que je suis en train de lui faire, parce qu'il le verra que à la fin de l'émission. T'as peur ou quoi? Oui. Non mais t'inquiète pas. Non mais enfin, j'ai peur quand même, mais dis pas. Oh pardon, attends, j'ai oublié de te faire signer le contrat. Ah, le fameux. Ah. Hop. Le diable. Le fameux contrat. Donc tu signes en bas. Très bien. Et après on pourra commencer. T'es sûr? Quelle voilà. Magnifique signature. Signature de gitan. Merci. T'épouse, faut absolument que tu gardes ça parce que si on le perd, on est dans la merde. On peut commencer. Alors, donc du coup, alors comme première question, j'avais. Alors, depuis combien de temps tu streams sans côté Eclipsia? Depuis, sérieusement depuis quelques mois, depuis genre 6 mois. Mais sinon, en fait, je streamais déjà sur On3D avant Twitch. Genre, je sais pas si vous voyez un peu. Et je streamais là-dessus pour essayer, pour montrer un peu mes games à mes potes, parce que j'étais déjà le plus fort de mes potes, tu vois. Et voilà, tout simplement. Quelle magnifique chevelure. Non mais tu vois pas ton... C'est impossible. De quoi? De me coiffer, c'est pas possible. Non mais d'abord je brosse, pour pas que ça te fasse mal. Oui, c'est gentil. Alors attends. Quand même. Bon, n'aie pas peur, j'ai sorti ça, c'est pour mouiller tes cheveux, pour que ce soit plus facile à couper. Ah d'accord. Oh mon dieu. La taille. Le décès. Ensuite, alors on me demande est-ce que ça s'est bien passé ton intégration à Eclipsia? Ouais, bien. Je crois que je m'entends bien avec tout le monde. Pour l'instant, en tout cas. À part toi, parce que... Mais ouais, non, c'est cool. Ça se passe bien, l'ambiance est bonne. Et maintenant, j'ai une maison, donc c'est cool. Une maison, carrément? Non, une chambre, mais... Ouais. Mais bon, faut dire maison, ça fait genre... T'as les cheveux longs, c'est bien, là, il y a masse à couper. Oh, mais... Déjà, ça fait bizarre ce que je viens de te faire, genre... Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait les cheveux... Ah oui, d'accord. Ah non. Oui, ah, il voit le retour de la télé. Il voit dans le reflet de la télé. Tu regarderas pas. C'est pas très beau, mais... Non, c'est pas beau du tout. Mais... Merci. Bon, je sais pas comment elles font les coiffeuses. Genre, elles font un truc comme ça. Attends. Non, font pas ça du tout. Oh. J'ai une pince. Venez me chercher, s'il vous plaît. Alors, attends. Non, pas ça. Ça, bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite, j'ai une pince. Apparemment, tu aurais reçu 13 000 tips hier soir. Comment tu le prends? Est-ce que t'as pas pris trop la grosse tête? Ça s'est bien passé chez toi après quand t'es rentré? Je suis rentré en lambeau, donc c'était bien. Je pense que ça. Non, en fait, ouais, c'était cool et je m'attendais pas. Tu me fais peur. Non, continue. Et c'était bien et ça m'a beaucoup touché et j'ai failli pleurer en plus. Et voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Mais après, je me suis rappelé que j'étais un homme et quand même. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre une pince pour tenir tes cheveux pour couper l'autre mèche. Comment ça couper? Non bah tu m'as dit que j'avais le droit de couper. Oui. Magnifique. Oui, cool. Ça tient? Ok, bouge pas. Je vais commencer à couper. Je vais répondre à une question pour être déstressée. Attends, je vais te poser une autre question et comme ça tu penseras pas. Vas-y. Bon alors, ah oui. Quel est ton jeu préféré? Parle-nous de ton jeu préféré. Mon jeu préféré? Bah, en fait... Oh mon dieu. Oh pardon, attends, excuse-moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment ça, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Autant pour moi, la coiffeuse a complètement oublié qu'il fallait mettre... Tiens. Pas des bras? Normalement, c'est un déguisement. Ah d'accord. Mais on fait ce qu'on a avec ce qu'on a. Enfin, genre, Eclipsia n'a pas vraiment les moyens pour acheter un jeu. Ah non, j'ai pris... Oh là là, on a fait ça bien. Ouais. Hop. Je sais pas comment ça se met. Ouais, là, c'est bon. C'est bon comme ça? Ouais. Ça te fait pas mal? Non. Vas-y, finis vite. Parle-nous de ton jeu préféré. Bah, en fait, je crois que mon jeu préféré c'est LOL en fait. Parce que, enfin c'est bizarre mais... En fait c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Et
c'est celui c'est auquel je suis le plus attaché. Après sinon j'aime bien enfin j'aime bien plein de trucs en fait, je joue à beaucoup beaucoup de jeux. Et un de mes coups de cœur c'était Hotline Miami. Qu'est-ce que ça fait? Rien, regarde pas, regarde pas. Et ouais, c'est un de mes jeux préférés, alors que pourtant il est pas très long et pas très, très élaboré on va dire, mais voilà. Ok, une autre question. Non, on me demande quels sont tes deux poneys préférés, mais ça c'est pour moi. Je sais pas. Le rose et le bleu. Il y a pas de bleu. Ah, y a pas de bleu. Ah si, y'a si, Rainbow Dash qui est bleu, autant pour voilà, moi. Voilà, Rainbow Dash. J'étais pas fait. Bon, on me demande qu'est-ce que tu portes comme sous-vêtements. Des caleçons. Voilà. Il répond en plus. Bah oui, bah ils ont le droit de savoir. Oh là là. C'est jamais, hein. Comment elles font les coiffeurs? Pas comme ça. Attends, déjà je prends les ciseaux. Ah, c'est un métier. Mais tu sais qu'après, genre, je rentre chez moi et je vais voir des gens. Oui, bah. Non, mais enfin, j'ai une réputation quand même, je veux dire. Bon, écoute, je vais faire sur le peigne et je vais prendre comme ça. Voilà. Alors, attends, une autre question. Regarde Déstress. Pas par terre. Okay. Regarde pas par terre. C'est ok. C'est ça, mais regarde pas en bas. Oh mon dieu. Alors. Oh, j'ai un trou là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien. Je vais arranger ça. Non. Alors, pourquoi tu streams? Qu'est-ce qui t'attire dans le streaming? En fait, quand j'étais petit, je voulais faire de la radio. Parce que. En fait, j'aime bien parler dans un micro et que les gens ils m'écoutent. Et en fait, quand je stream, bah, les gens peuvent me répondre plus ou moins en direct. Écoutez. Le narrateur qui vient de passer m'a regardé bizarrement. Et donc voilà, et le stream, bah, c'est ça, plus le jeu vidéo. Et donc, c'est les deux ensemble qui sont cool. Quoi. D'accord. Alors. Donc continuez à poser vos questions sur Shexi aussi pour que je lui pose vos questions. On nous demande le meilleur moment de ta vie. Est-ce que t'as une réponse à ça? Si t'as pas, c'est pas le meilleur moment de ma vie en général. Je sais pas, mais de ma vie de streamer c'était hier soir. Hein. Clairement c'était hors du commun ce qui s'est passé vraiment. Après non, dans ma vie en général j'en sais rien. J'ai pas de. Ton mariage, tes enfants. Ouais ouais, ça. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu fais là? Bah je coupe. Bah t'as masse cheveux en fait. Bah oui. Oh mon dieu. Je sens le... Qu'est-ce que tu fais? Mais ça c'est le peigne. C'est le peigne ça? Ouais. Ok. Putain, j'avoue tes cheveux ils sont chelous quoi. Genre j'ai beau couper, j'ai l'impression que ça repousse quoi. Et moi j'ai masse coupée, ça repoussera ça. Elle sera pas du tout. Elles font un peu d'en haut, elles font pas avec le peigne de bas en haut, plutôt de haut en bas. Toi tu fais comme ça et tu coupes comme ça. Ah ils font comme ça? Ah ouais peut-être. Bah, en tout cas moi mes cheveux ils faisaient comme ça mais ils sont plus courts. Mais il faut pas que tu prennes trop, par contre, parce que... C'est mon oreille, ça. Elle ne connaît pas du tout. mets ton peigne dans l'autre sens, je pense. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme ça. Et là, tu remontes. Ah oui, voilà. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Et là, tu coupes ce qui dépasse du peigne. Ouais, pense. Mais il y a masse qui dépasse du peigne, enfin. Et c'est à toi de gérer la distance, enfin... à peu près, quoi. On fait coussi-coussa, quoi. Alors... Le coiffeur, il a vraiment des tips. Ton plat préféré? Je sais pas. En fait, j'aime bien manger de base. Mais genre tout. Ça se voit pas. Ça se voit pas. J'avoue. Mais j'ai pas un plat préféré en particulier en fait. C'est. Juste j'aime. Qu'est-ce que ça fait? Je m'ai mis une pince, d'accord. C'est tout. Juste j'aime pas couper. J'ai un truc en tête. Ça ne ressemblera pas du tout à ça au final, mais c'est pas grave. Et du coup, ouais, j'aime bien manger plein de trucs et j'aime bien découvrir de nouveaux plats. Mais je sais pas si j'ai un plat vraiment que je pourrais manger tous les jours, quoi. D'accord. Est-ce que t'as une petite amie? Plusieurs. Non, pas du tout, je rigole. Calmez-vous. Et donc, au final, combien? Non, mais t'en as pas ou t'en as une ou... Il y en a une sur le chat. Et on va parler d'une modératrice. Moi je sais qui c'est, c'est pour ça que je parle, je pose la question. Voilà. Je sais qui c'est. Le chat sait aussi. Est-ce que tu crois qu'elle va être contente de la coupe que j'ai entendue? Non. Est-ce qu'elle va me tuer? Oui. Oh merde, c'est sûr qu'elle viendra jamais. une autre question. Je sens un trou hein, quand même. Mais non, mais c'est non, rien, non, mais c'est à cause des pinces. Non, c'est à cause de toi. C'est l'été, t'auras moins chaud. Oui, oui. Tu te vois où dans 10 ans?
que tu dois toujours streamer, etc. J'en sais rien du tout. C'est une question que je me pose pas. Et heureusement, parce qu'en fait, ça me ferait peur. Donc j'en sais rien. On verra. D'accord. Pardon. Ouais, elle rigole. Qu'est-ce que... Non, mais c'est rien. On demande... Enfin, on te demande, as-tu peur de Shexy? Là, oui. Mais généralement, non. Mais quand la décision dans les mains, un peu plus. C'est mon oreille, ça. Non, t'inquiète pas, je coupe pas ton oreille. Elles sont trop longues aussi. Pour raccourcir un peu. Est-ce que tu vas souvent chez le coiffeur? J'y vais 3 fois par an. Super là, ça va, j'ai chose comme ça. Égalisé. C'est bon. Comment non ça, mais c'est pas fini hein. Non mais... C'est pas fini. Merci. Bouge pas. Genre, je coupe comme ça, c'est plus facile. Voilà. Bon bah... Voilà. Alors... Je te prêterai une tondeuse. Qui se chie dessus? Est-ce que tu te chies dessus? Attends, fais attention. Bah hein. Oui mais... partout. Oh là là. Secoue pas trop parce qu'après c'est moi qui fais le ménage. Ah bah je veux bien secouer alors. On me demande de quelle origine tu es. Alors, mes 4 grands-parents sont portugais. Et Ah ouais, c'est pas grave, j'ai des masses en fait. Non, c'est rien, t'inquiète. Je sens que c'est bizarre. Mais c'est rien, c'est rien. Si j'enlève les pinces... Ça veut dire que t'es portugais. Est-ce que ça va mieux? Non. Y'a aucun joueur portugais connu. Donc non. Non mais toi, c'est quand même... français. Oui, oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ouais. Ça fait 2 sur des centaines quoi, donc Qu'est-ce que tu fais? Et rien, j'essaie de mettre la pince. Panique pas. Et donc voilà, j'ai les yeux bleus donc ça se voit pas mais... Mais ouais, je suis d'origine latine. Comment tu es rentré chez EC? C'est qui t'a contacté, enfin... En fait je connais Saccord depuis longtemps et ça a bien aidé je pense. Genre on joue ensemble il y a... Qu'est-ce que tu fais? C'est rien, c'est pour mouiller les cheveux pour que ce soit plus facile okay. À couper. On joue ensemble genre en team et tout. Et après, il est passé chez EC, donc on a arrêté de jouer ensemble, j'ai joué avec d'autres gens. Et en même temps, je streamais en affilié sur Eclipsia. Et quand ils ont dit qu'ils cherchaient des gens pour l'été, je me suis proposé. Et voilà. Tac. Simplement. Ah, j'en peux plus. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Pourquoi j'ai accepté, au fait? Je sais plus. Je regrette. Alors... Bon, il y a quelqu'un qui demande pourquoi la vie, et je sais pas si on va répondre à cette question. 42. Quelle a été ta réaction quand t'as su que tu venais chez EC? J'avais 3 jours pour me préparer et partir. Du coup, ma réaction c'était. Ok, bon, on fait tout d'un coup. Et j'ai pas eu le temps d'être content ou d'être anxieux ou quoi, c'était juste. Le rush en fait, et voilà. Bon là je peux plus voir mon portable donc j'ai plus de questions. C'est trop tard. Je suis concentrée pour couper les cheveux. Ça va là, je m'améliore. Ça veut rien dire ce que je fais. Max, aide-moi. Ça marche pas chez moi ce que font les coiffures, enfin les coiffeuses. Ouais, non. Ça va être compliqué. Et tu sais qu'il faut des diplômes pour faire ça normalement. Bon, je te laisse faire parce que je m'en fiche mais... Non mais par contre j'ai travaillé dans un salon de toilettage pour chiens et chats. C'est rassurant. Ton CV, il est non, c'est vrai. Il est énorme ton CV. J'ai fait un stage de 3 mois. Nice. Et tu faisais des coupes sur les chiens? Ouais, sur les bichons. Ah. Les bichons. Chien, tu connais l'herbe depuis longtemps? Pas mal fait ça. Ouais, en fait, j'étais pote avec son frère quand j'avais genre. Oh, c'était quoi ça? Quoi? Ça a fait crrr. Non, c'est rien, c'est quand tu prends les cheveux et que tu fais comme ça, c'est pour faire un petit dégradé. Mais c'est rien, c'est le dégradé. Oui, je te crois. C'est le dégradé. Dans la classe de son petit frère, donc Robert Ross. Je savais pas que je pouvais faire ça. Et. Oui, ça fait peur, attention. Mais non, regarde, c'est. Et du coup, bah, je le connais de là parce que bah, j'allais souvent chez les œufs et il venait souvent chez moi aussi. Et donc voilà. C'est bon. Oh, t'es un pote de Robert Ross. Robert Ross. Rob Ross. Le fameux. Est-ce qu'il est beau? Magnifique. Oh non. Et du coup, tu viens d'où ça? J'ai pas demandé. De banlieue parisienne. Oui, voilà. Exactement, de banlieue parisienne. Moi, j'habitais à Paris. T'habites à Paris? Enfin, à Agnières. J'habitais à Agnières-sur-Seine. J'ai habité dans plusieurs départements.
toujours dans la même région. Je fais 77, 94. Après, je fais 92. Après, j'ai fait 94 et je fais 77. Donc, en fait, je fais une boucle. Et voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Parce que là, je peux plus prendre mon portable. Je suis trop concentrée dans ce que je fais. Là, je... une œuvre d'art est en train de se produire. Attends, je suis une artiste accomplie. Non. J'ai fait. J'ai arrêté t'es les pas cours. Allé à l'école, quoi. J'ai arrêté les cours vers 17 ans. En fait, je pense que j'ai été mal orienté. Si j'avais pu faire un truc pro ou en alternance, j'aurais fait ça. Mais je suis allé en général parce que, bah, en fait, j'étais un bon élève. Et du coup, les profs me disaient, ouais, bah, fais ça. Enfin, t'es un random, fais ça, quoi. Et j'étais genre, non. Et j'ai fait ça. Et du coup, après, j'ai arrêté pour faire. J'ai passé mon BAFA, tout ça. Et j'ai fait de l'animation sur des loisirs. Et colonie de vacances. Et c'est vachement cool. Mais je pense que, ouais, si j'avais été mieux orienté, j'aurais fait autre chose. Et ça m'aurait peut-être plus plu. Je sais pas. Si t'avais pas été streamer, t'aurais fait quoi? J'aurais continué mon job, j'aurais fait de l'animation encore et après j'aurais vu où ça aurait pu m'emmener. Mais voilà. Ça tombe. T'en bouges pas. Ouais, j'ai pas le choix de toute façon. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a plus de cheveux d'un côté et qu'il y en a masse de l'autre. Ça veut dire quoi ça? Non, c'est rien. Oh mon dieu, la pire coupe. T'aurais pu envisager d'être pro gamer? Genre de ranger ta vie en faisant des tournois? Non. J'ai fait des LAN, tout ça, c'est marrant, mais jouer genre 10 heures par jour pour où c'est que la performance qui compte, c'est ça m'intéresse pas et c'est beaucoup trop de pression, je pense, pour moi. Même si t'avais genre un meilleur niveau et tout, que t'étais... Enfin, je dis pas que t'es mauvais, loin de là, t'es très bon. Mais genre, si t'avais vraiment un niveau assuré, LCS, etc., t'aurais dit non, carrément. Ou t'aurais même pas essayé d'aventure. Parce que là, t'étais pas encore, il fallait. Bah, j'aurais pu, je pense, parce que j'avais pas mal de temps libre. J'aurais pu vraiment m'investir dedans et faire, mais non, je me sens pas vraiment de. Genre d'être jugé que sur la performance à 100%, et si je joue mal, bah mon job est fini en fait. Parce que c'est ça, y'a pas de sécurité d'emploi, y'a rien. Et c'est un truc qui non, ça m'intéresse pas en fait. Après, y'a toute la fanbase, tout ça qui peut être intéressante pour les projets après, mais. Non, je me sentais pas de. Tes parents, ils en pensent quoi de ce que tu fais aujourd'hui? Ils comprennent pas trop. Ils disent ok, c'est quoi ça, il fait des émissions, on comprend pas trop. Mais vu qu'ils me soutiennent, hein, ils disent bah vas-y. Ils regardent en ce moment. Ils regardent des fois, là je pense pas maintenant, mais des fois le frère. J'espère pas maintenant. Mon frère regarde beaucoup par contre. Qu'est-ce que tu fais? Grand frère. Ta frange. Mon grand frère, ouais, 50 plus. Regarde, je la fais droite. T'as qu'un seul frère? Ouais. Regarde ça, attends, ça veut rien dire, t'as des. Qu'est-ce que t'as fait un nœud? Non, ah non, s'il y a un nœud, c'est pas. Voilà. Regarde ça. Magnifique pour ce que je vais faire après. Oh là là. Ça va être tellement moche. Quoi. Mais non, ah oui, arrête. Elle m'a dit ce qu'elle allait te faire. Tais-toi, dis rien. C'est moche ou pas? Non, c'est cool. C'est cool pour qui? Là, je coupe les pointes, hein, pour que tes cheveux après se sentent plus légers, tout ça, tout oui, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Je coupe un peu au pif parce que de toute façon, vu la tonne de cheveux que t'as, ça se voit même pas. Oui, oui, oui. Oh, là, j'ai des gros bouts qui tombent, cheveux. No care total. Alors les cheveux de DFG seront en vente, hein, bien sûr. Dédicacés. Bon. Parce qu'on on va faire la chute. On me demande quel est ton niveau sur LoL, je crois que c'est Diamant 1, c'est ça? Ouais. Tu Diamant joues support 1. En plus. Ouais, support, enfin, botlane en fait, de manière générale, et jungle. Et donc solo queue, Diamant 1, et en team j'ai joué en top challenger en fait, avec une team de français. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou vas-tu en faire une? Je vais mettre mes vidéos sur la chaîne EC Family et celle de Sakor. D'accord. Donc les vidéos que je fais ici. Ouais, et après celle de une mon... chaîne YouTube. Celle de mon temps libre d'avant, parce que là je pense pas que je pourrais en faire pour moi, c'était sur une chaîne qui s'appelle Le Gaming Apart. Parce qu'en fait c'était un délire avec des potes, genre la Gaming House, mais pour les pauvres, tu vois. Donc, Le Gaming Apart. Et donc voilà, il y avait plein de chaînes, enfin plein de potes à la base à moi dessus. Et tout le monde a arrêté, je suis le seul à avoir continué, donc on a refait la chaîne. Et c'est la mienne. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de l'émission, on regarde pas ce que j'ai dans la main. Donc on va parler des looms. D'ailleurs tu vas en faire. Je t'avais montré comment faire, tu te rappelles ou pas? Oui. Donc pendant que DFG va réaliser son propre bracelet, il fallait commencer par la gauche. Okay. J'ai testé, normalement tu peux le faire en même temps que je te coiffe. Genre. Comment ça t'as testé? Genre j'ai testé, c'est moi qui ai commencé. Donc à gauche le dernier. Voilà. Ok. Et une fois que t'as fini les blancs, tu me dis. Ok. C'est le deuxième. Bon tu te trompes pas, hein. Et après c'est de la si je me trompe ça fait quoi? Vous savez que ça sera un bracelet moche. C'est pas grave. Il sera original. Je vous expliquerai après ce que j'ai dans la main, les gens. T'as quoi dans la main? Rien. S'il te plaît. Non, je sais pas. Tu n'as pas le droit de regarder. Si. Donc je vais tester.
Qu'est-ce donc, du coup, on va vous passer une petite pub, genre. Attends, c'est pas de la teinture ça? Non. Comment ça, non? Mais non, je mets du gel, c'est de la cire. Mais genre, je mets un sopalin parce que j'ai pas envie que les mains collent. Je crois que j'ai raté. Non. Je sais pas, c'est bizarre. Mais t'en as pas remis un autre? Si, j'en ai remis un autre. Oh. Après, c'est inversement, hein. Mmh. Ok. Donc, DFG est en train de réaliser donc un bracelet Loom. Donc, bracelet Loom qui sont. C'est quoi déjà? C'est des bracelets en fait faits en élastique. Est-ce que t'as mis la pub? Mais non, vas-y, d'accord. Ah, vas-y, tu peux mettre la pub. Parce que la pub explique très bien. Rainbow Loom! Avec Rainbow Loom, fabrique des bagues, des bracelets et encore plein d'autres accessoires. Laisse ton imagination te guider. Choisis tes couleurs et en quelques minutes, avec l'incroyable crochet, crée facilement plein d'objets très mode. Rainbow Loom, trop facile d'avoir du style. Top, il y a un Rainbow Loom de voyage inclus. Rainbow Loom, en vente à la grande... Je connaissais pas. Moi non plus. Mais je crois que je fais n'importe quoi en fait. Pourquoi? C'est pas beau là. Bon, continue, on verra après. Au pire, je le droit de faire elle. Mais... Si t'arrives à le faire, eh ben, on l'offrira à ta copine. Elle sera contente. Ce sera un cadeau d'excuse pour ce que je suis en train de te faire. Et donc, du coup, j'avais prévu quelques. Genre, en fait, c'est Rainbow Loom, donc j'allais expliquer. C'est des bracelets donc faits d'élastique, etc. C'est un peu la mode en ce moment. Ah bon? Ouais. C'est la mode où? Alors il y en a en Angleterre, ça je les ai trouvés en Angleterre, mais j'ai vu la pub que vous venez de voir en fait, c'est une pub française et qui s'est passée en fait à Gulli. Ok. Donc en gros tout le monde a ça, enfin toutes les filles ont ça, mais bon après je parle forcément, enfin c'est les petites filles quoi. Mm-hmm. C'est pas forcément un truc de fou. C'est pour ça qu'elle te le passe déjà. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que tu veux en faire un. Ah oui. Et j'ai prévu des images justement à vous montrer où genre en fait il y a plein de personnes qui font des tutos, des trucs comme ça pour réaliser des bracelets et même plus que des bracelets. Si tu peux mettre les photos. DJ. Oh la serviette à poil quoi. Alors attends, je vais faire comme les vraies coiffeuses. Hop. Elle est où ma pince? Du coup, je voulais des images, tes pouces, tu les as mises? Non. C'est ça que je parlais. Panique pas. Je t'ai mis une pince avec une panique à ouf quoi. Je vais t'arriver où? Ah oui. Bon, après, vous allez voir, le résultat final il est magnifique hein, pour les cheveux DFG. Je pense. Je suis pas sûr. Si. T'inquiète pas. Ça va être trop beau. Donc là voici donc un poney réalisé en Loom. Donc magnifique poney bien sûr. Mais le pire en fait c'est bon après on fait les animaux etc. Mais le pire c'est pas là, c'est qu'en fait ils trouvent à chaque fois des moyens. Enfin ça apparemment ça existe depuis un moment. Mais seulement il y en a qui font ça, genre c'est leur mode de vie en fait, parce qu'ils revendent tous ces trucs pour. Genre les gens adorent ça parce qu'ils peuvent en faire, bah là c'est des pochettes pour portable, des petits porte-monnaie, tout ça. Et je pense que je vais m'y mettre et je vais faire moi aussi, je vais faire des looms et puis les vendre après sur mon Facebook. Donc là c'est la petite sirène si vous l'avez pas reconnue. Ça c'est censé être un chat, mais j'ai pas reconnu le chat donc. Ça c'est un mignon. C'est tellement bien fait quoi. Il y a plus de blanc. Il n'y a plus de blanc. Ok, alors attends, bouge pas. Ça s'est décroché aussi. Oh. Bah oui, mais bon. Du coup, maintenant, il faut que tu fasses le orange et le noir. Alors attends, hop. Tu fais avec le noir et après, ça sera beaucoup plus facile. Vas-y, fais avec le noir. Et après, tu mets un orange. Une fois que tu as fini avec le noir, tu le mets avec un orange. Je fais un noir, un orange et. Ou je fais tous les noirs et après tous les oranges. Non, tu fais noir, là tu fais le noir et une fois que t'as fini avec le noir, tu mets un orange. Non, enfin genre, vas-y, fais. Attends, je sais plus. Je suis perdu. Attends. Je sais plus ce que j'ai fait. C'est nul. C'est pas censé être comme ça.
Mais si, ça va. Alors attends, par contre, t'as fait quoi? Je sais pas. Celui-là... C'était le dernier. Donc tu dois commencer de ce côté-là. Ok. DFG est très professionnel, hein, il adore faire ça. C'est génial. Ah non, j'ai super chaud. J'étais arrivé à où? On commence à voir ou pas? Oui. Comment ça, oui? On voit quoi? Le gel que je mets. Ouais, le gel, ouais. C'est quelle couleur? Dites-moi. À l'aide. Bon, en fait, je suis en train de te faire un cosplay. D'accord. Je montrerai après quel cosplay je suis en train de réaliser. Ah oui, donc je parlais des looms, ou en gros... Qu'est-ce qu'il y a, Ogar? Ogar, aide-moi, s'il te plaît. T'as toujours eu les cheveux longs? Bah en fait, c'est par période. Je laisse pousser pendant quelques mois, et quand c'est trop long, je coupe tout. Et après, ah oui, ça recommence. Tout genre rasé? Genre, il reste quelques millimètres, quoi. C'est vraiment... Ah oui, donc tu t'en fous, là, même si elle te rase... Ah oui, là, je m'en fiche, hein, mes cheveux, de toute façon, je vais les couper, donc... Ah oh non, tu gardes ça pendant une semaine. Calme-toi. Attends, du coup, je sais plus comment je fais, je me suis perdu. C'est trop compliqué, ce truc-là, en fait. Je crois que t'avais... Ouais, tu remets le noir, ouais. Et là, tu recommences à droite. Okay. Genre, tu prends le noir tout en bas et tu le remets par-dessus. Ok. Ah. Bon, j'ai presque fini. T'es sûr? Ouais. Magnifique. La 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 la. Et du coup, je voulais parler aussi d'un autre sujet. Donc, c'est. Comment ça s'appelle? Continue. Je voulais parler. C'est toi qui m'as dit ça, Max? Des animages? Machinima. Ah, Machinima, ok, rien à voir. Machinima. Qu'est-ce que ça fait? Rien, c'est cette poubelle qui s'est accrochée. De toute façon, j'ai fini de couper les cheveux. N'aie pas peur, je vais te remettre du brumisateur. Oui, la vidéo. Ouais. Excuse-moi. Donc la vidéo d'un machinima en fait où que je trouvais sympa. Donc en gros pour ceux qui savent pas ce que c'est les Sims 3 et en fait c'est quelqu'un qui crée avec ce jeu qui crée des petits épisodes de plein de choses, enfin de plein d'histoires. Pourquoi elle rigole? C'est pour rien. C'est rien. C'est quoi ça? C'est pour avoir les cheveux soignés. Ouais. Ils sont pas très bons. Hein. Ça sent la peinture. C'est normal ou pas? Oui. C'est les essences qu'ils ont mis, les essences essentielles qu'ils ont mis. Je comprends. J'ai envie de mourir. C'est de la merde. Par contre, on peigne, tu veux prendre le jeu, t'es à... Donc voilà. C'était les ma... Les ma quoi? Les ma... Des machinima. Des machinima. Voilà. Putain, mais c'est de la merde ce truc que je viens de mettre. C'est peut-être machinima. Oui, vu que c'est... ça doit être japonais, non? Non, je... Même pas? Ça me fait penser à des trucs japonais. Le rire infâme de Veuve Trophier. Aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Je t'aide ? Oui. Bah, c'est l'heure, faut remonter. Non, j'ai encore une demi-heure. J'avais dit à Dash de te prévenir.
Bon, là, nous commençons par le devant. Donc, ceci est une frange. Une frange que je vais styliser. Bien sûr, Zerator, ne perdez pas mon émission. Hein. Bon, bah, je vais supprimer tous mes posts Facebook. Oui, parce qu'en fait, on m'a rendu l'antenne à... Enfin, j'ai une heure d'émission, donc du coup, Zerator commencera son émission une demi-heure après, puisque ça a tout décalé. Bon, là, le cosplay est bientôt fini. Oh, le pire truc. Est-ce que t'as fini le bracelet? Bah, je sais pas, c'est pas très bien. Oh, mais qu'est-ce que t'as foutu? Bah, pas le bon truc. J'étais perturbé, d'accord. C'est pas grave, continue. C'est pas grave, je t'en veux pas, t'as niqué mon bracelet, mais je le referai, et puis... Tu m'as dit que tu voulais pas garder le bracelet, alors est-ce que quelqu'un sur le chat veut gagner le bracelet? Est-ce que je l'offre à quelqu'un? Il est pas très beau, hein. Là, je pense que personne... Mais je vais le refaire, parce que tu l'as complètement niqué. Mais non, mais... Bon, ok, j'avoue. C'est pas très beau. C'est pas beau du tout, ouais. Non. C'est pas grave, il a été fait avec amour. Donc sur le chat, est-ce qu'il y en a qui veulent le bracelet épouse? Sinon moi je le garde. C'est un bracelet Eclipsia que j'ai fait en fait, j'ai pris les couleurs d'Eclipsia carrément. Ah ouais, j'avoue. J'ai pas vu. Nanana. T'es là depuis pas longtemps, c'est pas. Dès qu'on veut du orange, on paye. Bon bah en fait j'ai fini tous les sujets de conversation que je voulais aborder, hein. Les looms c'est magnifique, les ima, les magies, les machinima c'est magnifique aussi, la coupe de DLG est magnifique aussi. Oh mon dieu. Là je fais un effet stylisé genre effet fondu comme ça. Ah bah... Bon Manque de la couleur à la racine. Ça fallait pas dire que c'était de la couleur. Non mais là, j'avais compris. Je pense que... Oh mon dieu... La semaine prochaine, c'est moi. Non, c'est l'herbé la semaine prochaine. Ah, avec la liste de réservation, c'est... Bah, c'est tout le monde veut passer dans le salon de Chexy, hein, concrètement. Moi, c'est J'avoue, j'ai trois. Concrètement, Alors, qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Par contre, ce sera pas mieux. Comment ça, qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Elle a des produits cassés, c'est pas ce que c'est. C'est rien. Je vois ce que c'est là. Non mais tout va bien se passer. Non mais ça a l'air trop bien. Bien. Par contre ça part en combien de temps parce que... Je ne sais pas. C'est une professionnelle. Elle connaît son métier. Ça marche pas très bien. Je travaille sur les animaux, c'est bon. Non, je travaille sur les bichons. Bichons en or. Ça marche bien. Mais bien devant, je pense, pour que les gens voient. De quoi? Parce que tu fais beaucoup les côtés, mais. Ouais, je vais faire devant, il y a pas. Fais attention à mes yeux, quoi. Il n'y a pas assez. Attends, relève un peu la tête. Ah mince, maman! Attendez! C'est vrai, il est pas trop moche. Il est juste un petit peu là. Ah ouais, t'es un peu fail, mais sinon ça va. Merci. Je crois qu'en plus, genre, t'auras même pas besoin des. Parce que j'avais prévu des oranges pour le fermer, mais t'auras même pas besoin parce qu'au final. Au final, ça a l'air d'être bon. Bah, c'était un petit poignet, tu peux le mettre. Je pense. Bon, l'enlève pas parce qu'après, faut le finir, je le finirai. Hop. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Non mais il me regarde pas comme ça, j'ai avec un air de chien battu, voyons. C'est franchement... Elle sait pas, elle connaît bien les chiens. Bon, maintenant, on va arriver au final. Attention, non c'est juste de la laque. Oh, c'est juste bien. De la laque. Ouais. J'hésite. Quoi? Tu devrais pas un peu défendre? Ouais, non. Non mais je vais faire... Oh la vache. Vas-y. Ça fait énorme. Ah ouais. Moi ça me fait penser dans Amour, Lucille et Rock'n'Roll. Ne dis pas ça. Plutôt Lucille, Amour et Rock'n'Roll ou un truc comme ça. En tout cas,
Une belle chevelure, hein. Oh là là. Le royaume, j'ai envie de... Le royaume tendu. Le royaume tendu. Ça se passe comment sur le chat? Tu t'ennuies pas trop parce que je parle pas beaucoup? Ouais, parce que je suis concentrée. Sur le chat, il y a OMG, OMG, Dat As, OMG, LOL. 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 Ah mais ce côté-là... Ouais. Ce côté-là, j'ai pas... je l'ai mal réussi. Mais c'est pas fini encore. Il me reste combien de temps, maître tes pauses? 25 minutes. Oh. On aura le temps de faire un Just Dance. Non. Un Just Dance. Est-ce que... est-ce que sa copine est sur le chat, là? Est-ce qu'elle regarde le massacre que je suis en train de faire à son mec? Je vois pas. Ah, je lui montrerai la VOD, alors. Bon. Ça, par contre, c'est super dur à coiffer, dis donc. Il tient le poing. Qu'est-ce que tu fais? Mais rien, je te fais une coiffure. Max, aide-moi. Mais non. Pourquoi tu rigoles? Quand ce sera mon tour, tu m'aideras pas, mec. Ah bah, si tu m'aides pas là, c'est sûr. Hein. Bon alors, monte ta tête. C'est rien. Oh non, mais... J'ai pas fini, c'est pour ça, c'est... Mmh. Attends, attends. Ferme les yeux. Est-ce que je t'en ai mis dans la figure? Je sais pas. Mais après, je dois rentrer avec ça, hein, tu sais. Ouais. Moi, je n'ai pas de voiture. Moi non plus, hein, t'inquiète pas. Les gens vont me regarder. Ouais, non, t'es en Angleterre. Ils ont l'habitude. En Angleterre, ils ont l'habitude. Ils vont me juger. Tu passeras dans la nasse comme ça. C'est vrai que les cheveux ici, c'est pas... En Angleterre, ils ont un style particulier, hein, que ce soit vêtements, fringues, cheveux. Il est où cette couleur là? Je vais mettre un peu ce qu'il y en a passé. Ah là. C'est pas mal, il y a quelque chose. Il y a un truc, hein. Je suis une artiste incomprise. Oh, il marche bien. Oh la vache. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Là, viens. Oh, oh, c'est trop beau! Non, rien. Elle découvre ses projets. Quoi, comédie, quoi. C'est quoi ça? Du lac. Non, mais. Non, mais c'est différentes lacs parce qu'il y en a une qui va tenir les cheveux et l'autre qui rend les cheveux brillants. Bien sûr. Mais pourquoi t'en as mis que derrière? Pour parce que je fais un derrière. Effet. Hein. Oh mon dieu. Faut que ça sèche, j'ai pas ses cheveux. Non, parce que quand, une fois séché, ça donne un truc. Ça donne un truc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau comme ça. Moi j'attends qu'il ait son miroir et qu'il puisse faire en mer. Vous voulez parler de quoi sinon? Est-ce que t'aimes bien les dessins animés? Les dessins animés? Ouais. Je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai pas regardé. Tu peux pas être pote avec l'RD et ne pas aimer les Disney. J'aime pas trop Disney, non. Elle a RBC, ça? Oui. Mais c'est pas je déteste Disney. C'est moi, je regarde pas. Après, tu peux regarder si tu veux. Santis pour DMG. Merci beaucoup. À mille types, je libère. DFG est mort au combat. Ah bah là, je suis tombé, là. C'est bientôt fini. Ah, par contre, il va falloir aérer parce que... Ça sent pas bon. Commence à... Moi je sais pas, j'aime bien. Ouais. C'est parce que toi tu t'amuses. Un cancer du poumon. Qu'est-ce qu'il y a? Je te rends beau. Oh bah merci. Il y a pas beaucoup de travail. Non, arrête. Voilà, c'est ça. Ah là là, DFG trop beau comme ça. Pas trop sale. Oups, j'ai mal visé. Comment ça? Non, rien, c'est pas là que je visais, je voulais faire un truc swag, mais bon. Oh, le flood. 1000 tips. 1000 tips. Ouais, il y a 1000 tips. 1000 tips pour sauver DFG, quoi. Sérieux? Ouais, il y a 1000 tips.
Je l'ai pas vu, mais c'était, ça a tellement foudé que... Ouais. Bah merci. On va le libérer. Il y avait qu'à mettre un tip, c'est parti en plus. Trop de cheveux pour que tu ah oui, désolé. Oui, mais encore pour le cosplay. Bah en fait... C'est quoi ça? Hein? Ah non mais pourquoi c'est rose? Je t'ai mis une petite mèche rose. Oui, oui, oui. Après je vais te montrer à quoi j'ai justement le modèle de ce que je... à quoi je voulais que tu ressembles. Est-ce que c'est un poney? Oui. Putain, non. Ah si. Non. Tu vois de la laque, je pense. Non. En fait, je me vois dans le reflet, mais je vois pas la couleur. Non, mais il a tellement de masse de cheveux. En fait, il faut désépaissir un or. Là, il a tellement de masse, t'arriveras jamais à faire tenir. Mais si. Oui, j'ai fait un CAP mode. Hein, ah, la régie a mis une pop-up. Voilà. Hop. Mais hey, la couleur elle part, c'est chiant. Dès que je bouge, t'es chiant. On voit bien quand même. On voit bien? Ouais. Non, parce qu'à chaque fois je remets et. Et du coup, comment je peux laver ça après? Ah, ça je sais pas, c'est marqué en anglais. En fait, faudrait connaître la traduction de. Unwashable. Bon, je vais poser une question au chat. Est-ce que vous trouvez ça réussi? Oui. Réussi, oui. Est-ce que vous trouvez ça beau? Non. Alors. J'aurais aimé que ce soit plus coloré quand même. Hein. On voit bien quand même. Ah Max, on voit bien ou pas? Ouais, on voit bien. Enfin, moi je vois bien après à la caméra, je sais pas. Ouais. Je suis dommage que y ait une couleur qui ait pas marché parce que du coup c'est pas top quoi. Mais non, regarde pas mes mains. Quoi. Oh, j'aurais peut-être dû enlever ma veste blanche. Ouais. Voilà ton cosplay. C'est où ta veste blanche? tu m'as fait la corne et tout. Ouais, putain, bah non. Ah oui, je voulais voir si elle allait le faire. Oui, mais j'en fais. Écoute. Ah oui, attends, je vais t'enlever ça parce que t'as fini le bracelet. Le bracelet que je ferai gagner après sur Facebook. Bon. Tu lui offres la peluche? Non. Non, c'est la mienne. Non. Non, c'est la mienne. Ça dépend. Ça dépend de si le chat a trouvé que j'ai été vraiment horrible avec ses cheveux et que du coup, eh ben, je lui offre la peluche en échange. Pour me faire pardonner. J'attends la réponse du chat. Ça part pas, cette merde. Sauvez-moi. Donnez-moi la poney. Ils disent quoi, le chat? Ils sont ok ou pas? Du coup, toutes les couleurs qu'il y a là-dessus, tu les as sur la tête. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Offre-lui, horrible, horrible, dur, horrible, horrible. Ouais, tu les donnes. T'as trop bien. Ils veulent le poney? T'as gagné un poney, alors. Nice. Bon, attends, bouge pas. Oh là, il y a des paillettes partout. Comment je peux te montrer le retour ici? Ouais, ça va. Ça va, je m'attendais à plus flashy. Mais... Bah ouais, mais j'ai pas pu en fait. Non, mais c'est bien. T'es pas blond. Ça va. Franchement, je trouve que t'es stylé comme ça. Il y a clairement un truc ici, les mots au cadre. Ouais. J'ai pas que ce serait. Je voulais que tu ressembles à un poney. Bon alors. Est-ce que t'es content quand même? Est-ce que c'est beau? Quoi? On va pas répondre. Ouais, hey, c'est magnifique, c'est splendide, j'ai vraiment. J'ai une nouvelle coiffure et très, je te ferai très satisfait. Et en plus, genre, j'ai des mains dégueulasses du coup. De ton travail, c'était vraiment parfait. Et une veste blanche qui maintenant est rose. Sérieux? Aussi, ouais. Non, l'autre côté. Comment ça? Où ça? Ouais, là ouais. Ce sont les vestes du métier. C'est terrible. Putain, elle m'a coûté 50 euros quoi. 50 euros. Et c'est une Abercrombie, wesh. Tu parles à quel?
Ah, j'en peux plus. Rip les cheveux. Je gagne des relations, hein. Moi, je suis satisfaite. Avant, après. Non, mais si. S'il te plaît, non. Fais pas ça. La montre. Ah. Oh. C'est trop mignon. Et voilà. Une photo que vous pouvez retrouver sur Facebook et Twitter. Non, franchement, c'est bien. Mm. Ah, là, vous parlez du bracelet, d'accord. Le bracelet a fait fureur, apparemment. Mais il est pas très beau. Adieu, on t'aimait. Sincèrement. Non, ce n'est pas un bijoutage, c'est juste le salon de Chexy en fait. C'est tout à fait. C'est pire que ça encore. Oui, parce que techniquement, c'est un synonyme. Hein. Comment ça, c'est un. De quoi? C'est pas grave. Ah, pire que ça. Mais non, voyons. Par contre, le bleu, il a pas très bien marché. Donc, je vais vous montrer du coup ce que j'ai utilisé. Donc, voici ce que j'ai utilisé pour faire le rose et le mauve. Donc, en fait, il y a juste à passer comme ça. Wouh! Voilà. Encore plus de couleurs, voilà. Hop. C'est pas mal, mais ça tient pas super bien. En fait, c'est genre, c'est pas genre, ça doit pas genre, ce soit pétant, mais en fait, que quand tu bouges les cheveux, et ben ça donne un effet aux cheveux, genre style. D'accord. Genre méché. Je conseille de mettre, de prendre, pas comme j'ai fait là, mais genre en gros, de mettre la mèche de cheveux et de passer dessus après, et puis après, de donner un coup de peigne pour éviter qu'il y en ait partout. Je conseille pas de mettre des habits blancs comme j'ai mis. Parce qu'en fait, quand vous mettez, enfin pour les filles, s'il y a des filles qui regardent, quand vous mettez, ou des garçons qui ont les cheveux longs et qui veulent se faire teindre les cheveux, que s'il y en a ici, en fait, bah, au fur et à mesure que vous allez bouger, ça va râper dessus et que ça sera tout coloré. Ensuite, j'ai utilisé ça pour le bleu, parce que je t'ai mis du bleu derrière et sur le dessus. Donc ça faisait. Non, mais n'aie pas peur. Voilà. Bon, toi, t'as les cheveux foncés, donc on voit un peu le bleu ici. J'ai mis du bleu là aussi sur le dessus, un peu comme ça, genre à la wall again. Est-ce que t'aurais pas dû le décolorer avant de. Oula, calme-toi. J'y ai pensé, mais en fait, quand tu décolores les cheveux, tu dois attendre une semaine pour les recolorer après. Sinon, ils tombent. Donc, je me suis dit, c'est. Eh, hey, ça a été marrant que tu le dises après l'émission. Oh, par contre. dans deux jours, il y aura plus de cheveux quand même. Et j'ai rajouté des paillettes qui n'ont pas tenu. Parce que c'est. Ah. En fait, genre, je fais ça et il y a les paillettes, elles valent partout sauf sur ses cheveux. Donc voilà. Ça pourrait être drôle qu'une semaine, quelqu'un, tu lui décolores les cheveux et la semaine suivante, tu lui recolores. Et la semaine d'après, attends, par contre, tu fais quoi là? Genre, tu fais tomber un bracelet, un loom orange et tu me le dis pas. Ah, mais c'est pour ça que tu l'as défoncé là. Non, mais je crois que juste j'ai mal fait en fait. Ouais. Donc voilà. Je vais montrer le bracelet, magnifique bracelet loom. Quelle caméra t'épouses qui donne? C'est la clé. C'est bon? Voilà. Voilà le bracelet que DFG a fait. Magnifique. Donc ouais. Qui veut gagner? Je le vends 100 euros. Aïe. Non, je rigole, hein, bien sûr. Bon, voilà. Par contre, je suis vraiment très triste parce que je vais garder ma peluche et que. Mais non, mais vas-y, garde-la. C'est je la mettrai sur mon bureau. Ok. Tu pourras venir le voir. Comme ça, je pourrais dire bonjour, garde ta peluche. Voilà. Ah là là. C'est ça, tu stream ou pas? Non. Ah mince. Je et demain non plus. Ah mince. Après non plus, d'ailleurs t'es viré. Je suis envoyé. T'es viré genre trop de roses dans les cheveux quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, ils disent quoi le chat? Est-ce qu'ils sont contents de la nouvelle coupe quand même que j'ai fait à DFG? Me mens pas, t'es possible. Me mens pas. Bon, mon émission s'est finie un peu plus tôt que prévu parce que là j'ai fini en fait. Parce que j'ai pas énormément coupé ses cheveux parce qu'en fait il y en avait trop et que plus je coupais plus il y en avait repoussé. Donc voilà, je suis bien là dans le plan. Ouais. Bonjour. Donc j'espère que mon émission vous a plu. Puis je vais pas prendre plus de temps sur le temps de narrateur. Je vais lui laisser l'antenne tout de suite du coup. Je sais pas s'il est en train de regarder le stream et que du coup il est censé savoir qu'il doit se préparer et du coup il sera pas prêt, mais c'est pas grave. Donc je vous fais des gros bisous et puis maintenant on renomme DFG. Il s'appellera DFG Poney. Voilà. Voilà. Voilà, DFG Poney. Donc maintenant, dès que vous vous adressez à DFG, vous devrez l'appeler DFG Poney. J'espère qu'ils ont compris. DFG Poney. Voilà. Gros bisous à tous et merci!